Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Je m'appelle Sylvie et aujourd'hui, j'aimerais répondre à la demande de beaucoup de personnes qui me demandent comment prier avec la Bible d'une manière concrète. Je fais partie de la communauté où est le Père Olivier. Et donc, beaucoup de personnes me demandent comment prier avec la Bible? Comment? Parce que je ne réussis pas à comprendre et tout. Aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle pour vous que nous allons apprendre à prier concrètement avec la Bible comme la communauté Koinonia le fait. Et mon expérience est qu'elle porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Dieu, à travers sa parole, me parle et je lui réponds en base de ce qu'il nous dit. Et donc aujourd'hui nous allons commencer et nous allons faire un parcours de tout le Nouveau Testament ensemble. Donc j'aurai la joie chaque semaine, une fois par semaine, de prier en direct avec vous, avec la parole de Dieu. Nous allons commencer avec Matthieu chapitre 1. Prépare déjà à prendre ta Bible et commencer à chercher. Matthieu chapitre 1. D'habitude, si c'est la Bible entière, il y a la partie de l'Ancien Testament, la première partie qui est la plus grande, et vers la fin, le Nouveau Testament. Donc, tu peux lire ensemble avec moi ta Bible. Et si tu n'as pas la Bible, je t'encourage, si tu veux écouter que Dieu te parle, d'acheter une Bible et la faire la tienne. Parce que au fur et à mesure que nous allons prier, il y aura des versets qui vont te toucher et tu peux souligner ou mettre une couleur là-dessus sur ce verset. Et à chaque fois que tu auras besoin, tu peux retourner, te ressourcer à travers la parole de Dieu sur le verset qui te touche. Et ensuite, lorsque nous allons lire tout le premier chapitre, nous allons lire ensuite un psaume. Donc, nous allons prier avec la parole de Dieu, lire les évangiles et lire tous les psaumes. Donc, nous allons commencer avec Matthieu chapitre 1 et après, nous allons prier avec le verset qui nous a touché le plus. Et ensuite, après cela, nous allons prendre le psaume 1. Les psaumes sont vers le milieu de la Bible. Et le milieu de la Bible, si tu ouvres, tu vas trouver les psaumes et on va commencer avec le psaume numéro 1. Donc, je t'invite déjà aussi à préparer ta page, la partie du psaume, le psaume numéro 1. Vous voyez comment je fais pour rester toujours en contact. J'utilise ces signaux pour attacher là où je suis arrivée. Donc, je ferai le psaume 1. Donc, du coup, je le mets déjà à côté du psaume 2 pour la prochaine fois que nous allons faire. Amen. Voilà. Pareil pour les évangiles. Matthieu 1, nous allons commencer, j'ai un autre pour les évangiles. Nous allons commencer avec Matthieu chapitre 1. Donc je le mets déjà au chapitre 2 pour dire la prochaine fois je serai sur le chapitre 2. Donc je le place sur le chapitre 2. Comme ça, la prochaine fois que je vais arriver, je sais que je suis à Matthieu 2. Donc, et là, si tu es prêt, nous allons commencer la prière. Donc, je t'invite à lire ensemble avec moi. Naissance et enfance de Jésus. Ascendance de Jésus. Livre de la Genèse de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Phares et Zara. Et de Tamar. Phares engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz et Rahab. Boaz engendra Jobed de Ruth. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David engendra Salomon de la femme d'Uri.
Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères. Ce fut alors la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Sadoc. Sadoc engendra Akim. Akim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Le total des générations est donc d'Abraham à David, 14 générations. De David à la déportation de Babylone, 14 générations. De la déportation de Babylone au Christ, 14 générations. Or, telle fut la genèse de Jésus, Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un enfant et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et l'on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme, et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Jésus. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui nous touche à faire de prier avec le verset qui t'a touché? À moi, le verset 23 m'a touché. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et l'on l'appellera du nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Je veux prier avec ce verset. Et ensuite, toi aussi, de proclamer à voix haute le verset qui t'a touché et prier avec toi. Oh oui, Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui est merveilleuse, qui m'annonce aujourd'hui que tu nous donnes ton Fils, Jésus-Christ, du nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Je te remercie parce que tu es avec moi, Seigneur. Je ne suis jamais seule, Dieu avec moi. Lorsque je dors, lorsque je marche, lorsque je suis en circulation, lorsqu'il y a du danger sur la route, lorsque je suis avec mes frères et sœurs, avec des amis, Seigneur, je sais que tu es là. Je ne crains rien, rien dans ce monde, parce que tu es là en tout temps. Tu es là de partout où je vais. Dans la nature, je vois ta présence. Avec les personnes, mes frères et sœurs, je peux te voir. Tu es toujours là avec moi. Merci pour ce privilège de t'avoir toujours avec moi. Merci aussi pour la génération de Jésus que nous avons eu à lire. Et je veux te remercier en même temps pour mes parents, mes grands-grands-parents
tous ceux qui ont été avant moi, avant que je ne sois. Merci parce que à travers eux, j'ai pu exister. Merci pour ce merveilleux don, Seigneur. Tu es tout pour moi, tu es ma joie de vivre. Amen. Maintenant, tu peux prier aussi et nous allons passer au psaume. Donc, j'avais dit le psaume 1. Nous allons aussi la lire ensemble, mais c'est important de lire à haute voix. Peu importe la traduction de ta Bible, je te conseille de prendre la Bible de Jérusalem parce que la version que moi j'ai, c'est la Bible de Jérusalem. Ainsi, tu pourras lire ensemble avec moi aussi la même traduction. Mais même si tu as une autre traduction, tu peux aussi de ton côté proclamer à haute voix. Important que tu la proclames, la parole de Dieu, pour ta vie. Parce que la parole de Dieu est vivante. Lorsque tu la proclames avec foi, tu proclames avec ta bouche, tes oreilles entendent et ton cœur reçoit. Et ta vie est transformée. C'est Dieu qui parle avec toi. Amen. Voilà pourquoi c'est important de proclamer la parole pour toi. Et lorsque tu la proclames, elle se réalise dans ta vie. Le psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au siège des rieurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté auprès des cours d'eau. Celui-là portera fruit en son temps, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Mais ils sont comme la balle qu'emporte le vent. Ainsi, les impies ne tiendront pas au jugement, ni les égarés à l'assemblée des justes, car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Amen. Maintenant, tu peux prier avec le verset qui t'a touché de plus. Je vais commencer. Le verset 1 m'a touché ensemble avec le verset 3. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des égarés, ne s'arrête. Il est comme un arbre planté auprès des cours d'eau, verset 3. Celui-là portera fruit en son temps, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Oh oui, Seigneur, merci pour cette belle parole, pour ce psaume merveilleux qui m'invite à vivre selon ta volonté, selon tes justes et bonnes voies. Je m'invite à ne pas me mettre dans des discours, des bavardages, des paroles qui n'édifient pas ton nom, mais de me mettre au milieu dans des atmosphères où je puisse vivre, où je puisse proclamer, Seigneur, que je puisse ton amour. Oui, Seigneur, je veux accueillir cette parole et la faire mienne. Je veux toujours, Seigneur, chercher, Seigneur, à annoncer la bonne nouvelle que tu es. Annoncer ta parole merveilleuse, ta parole d'amour, ta parole de paix, ta parole de réconciliation, ta parole de charité, de charité. Parce que tu dis que qui fait ainsi, il est comme un arbre planté au bord des ruisseaux. Et jamais il ne sèche, mais il porte beaucoup de fruits. Merci parce que en te suivant, je vois que ma vie est remplie de joie. Même s'il y a souvent des moments difficiles, avec toi, je suis toujours vainqueur. Je te remercie de tout mon cœur parce que tu me soutiens à tout temps et tu ne m'abandonnes jamais. Tu me donnes de porter beaucoup de fruits que je puisse après être un instrument de paix et de joie pour toutes les personnes que tu m'amènes. Merci Seigneur Jésus. Merci à toi, mon frère et ma sœur, d'avoir suivi ce moment de prière. Donc, tu peux prier
tout temps quand tu veux, te reconnecter et reprier toujours. La parole de Dieu est vivante. Ce que nous venons de proclamer aujourd'hui t'a parlé. Mais demain, la même parole peut te parler d'une autre manière. Donc, je t'invite à partager ce lien avec beaucoup d'autres personnes qui cherchent comment prier avec la parole de Dieu d'une manière concrète. Et tu prieras, tu contribueras à propager la bonne nouvelle de Jésus et porter du fruit. Amen. Au revoir et à la semaine prochaine.